Yves Fawen. Il n'entend pas. Le 31 du mois d'août, le 31 du mois d'août, nous vîmes venir sur le vent à nous, nous vîmes venir sur le vent à nous, une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Le commandant du bâtiment, le commandant du bâtiment, fit appeler son lieutenant, fit appeler son lieutenant. Lieutenant, te sens-tu capable? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'anglais à son bord? Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Le lieutenant fier et hardi, le lieutenant fier et hardi, lui répondit capitaine oui, lui répondit capitaine oui. Faites monter les équipages et appuyez le mur de l'eau. Et mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Dire l'offre pour l'offre en arrivant, dire l'offre pour l'offre en arrivant. Nous je l'abordions par son amant, je l'abordions par son amant. Un coup de hache d'abordage, de pied de cerveau. En 3, 5, 7, nous la rimions. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé des rois de France, et mère pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Que dira-t-on du grand Rafio? Que dira-t-on du grand Rafio? Prendre son équipage par un laser de six canons, lui qui en avait grand et si bon. Buvons un coup, là, 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 buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Bravo.